Salut tout le monde, c'est Destructfut, j'espère que vous allez bien. Donc pour ma part ça va plutôt pas mal. Donc je sais les gars, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, mais bon, ces derniers temps j'avais pas mal de choses à faire. Donc sur ce, aujourd'hui je vais vous présenter une BPL pour 50 000 crédits, place au squad builder. Au gardien, j'ai décidé de mettre Howard. Donc Howard, je l'ai acheté pour 3900 crédits, donc 1m91, 82 de plongeon, 81 de positionnement. Donc franchement, ça reste un très bon goal. Donc en défenseur central, j'ai décidé de mettre Zuma. Donc Zuma, je l'ai acheté pour 4700 crédits. Ça commence à être un petit peu cher, mais bon, 1m90, donc parfait dans le domaine aérien. 73 de vitesse, 80 de physique, 3 étoiles de mauvais pied, donc c'est parfait pour les gens. Pour les relances, pardon. Donc franchement, j'ai rien à redire. Donc mon autre défenseur central est Richards. Donc Richards, je l'ai acheté pour 2900 crédits, 1m80, 76 de vitesse, 85 de physique, 78 de défense. Je peux vous dire, avec son 85 de physique, ça, on le ressent. Donc aucun joueur passe facilement. Donc pareil, 3 étoiles de mauvais pied, donc parfait pour les relances. Donc mon défenseur droit, j'ai décidé de mettre Niom. Donc Niom, je l'ai acheté pour 1800 crédits, donc 81 de vitesse, 84 de physique. Par contre, le seul souci avec ce défenseur, c'est ses 2 étoiles de mauvais pied. Pour les relances, franchement, c'est vraiment une misère qu'on ait sur son pied gauche. Donc après, ça reste un joueur à 1800 crédits. Donc mon défenseur gauche, j'ai décidé de mettre Olebas. Donc Olebas, je l'ai acheté pour 1100 crédits, 84 de vitesse, 81 de physique, 76 de défense. Franchement, ça reste un très bon défenseur, mis à part encore ces 2 étoiles de mauvais pied. Mais comparé à Niom, j'ai moins ressenti ces 2 étoiles de mauvais pied. Mais bon, après, il y a les 3 étoiles de gestes techniques qui jouent aussi. Donc s'il y a un souci, on passe par les gestes techniques et ça passe tout seul. En milieu central, j'ai décidé de mettre Dembélé. Donc Dembélé, je l'ai acheté pour 6700 crédits, donc 1m85, 77 de vitesse, 82 de physique. Je peux vous dire, défensivement, il est présent, mais offensivement aussi, avec son 75 de passe et son 72 de tir. Donc ce qui est bien avec ce joueur, c'est ses 4 étoiles de geste technique avec un 82 de dribble. Je peux vous dire qu'on se fait plaisir. Mais par contre, le seul point négatif, encore une fois, c'est les 2 étoiles de mauvais pied. C'est vrai que quand il est sur son pied droit, c'est vraiment pas beau à voir, mais ça reste un très bon joueur tout de même. Donc en milieu central, j'ai décidé de mettre Mvilla. Donc Mvilla, je l'ai acheté pour 2300 crédits, donc 1m82, 76 de vitesse, 73 de passe, 74 en défense, 78 de physique, avec un 3 étoiles de mauvais pied, donc c'est parfait pour les relances. Donc je peux vous dire que défensivement, Mvilla, il est vraiment là. Donc franchement, j'ai vraiment bien aimé aussi. Donc là, en milieu offensif, les gars, je me suis vraiment fait plaisir, j'ai décidé de mettre Payet. Donc Payet, je l'ai acheté pour 12500 crédits, 77 de passe, de vitesse, 76 de tir, 82 de passe. Je peux vous dire que quand il passe, c'est vraiment énorme. Donc ce qui est bien avec ce joueur, encore une fois, c'est les 4 étoiles de mauvais pied. Là, franchement, on se fait plaisir. Et surtout les 4 étoiles de geste technique avec un 81 de dribble. Je peux vous dire que niveau dribble et frappe, franchement, il m'a conquis ce joueur. Franchement, je vous le conseille, il est énorme. En attaquant gauche, j'ai décidé de mettre Lens. Donc Lens, je l'ai acheté pour 1600 crédits, c'est une misère comparé à ses stats. 84 de vitesse, 70 de physique, 76 de passe, 76 de tir avec 4 étoiles de mauvais pied, ça fait plaisir. Et 4 étoiles de geste technique avec un 82 de dribble, je peux vous dire que je me suis fait plaisir. Donc en attaquant droit, j'ai décidé de mettre Ibarbo. Donc Ibarbo, c'est un peu plus cher, je l'ai acheté pour 7000 crédits, mais franchement la qualité y est. 1m88, donc 92 de vitesse, c'est une fusée, 78 de physique, donc on ne le bouge pas comme ça. 4 étoiles de geste technique avec un 82 de dribble, encore une fois, on se fait plaisir. Donc il a 3 étoiles de mauvais pied, mais personnellement, je n'ai pas ressenti le point faible avec son pied gauche. Franchement, j'ai rien ressenti, donc après, peut-être que c'est une coïncidence ou pas, mais bon, franchement, moi je l'ai bien aimé, ce petit barbeau. Et en BU, j'ai décidé de mettre Rondon. Donc Rondon, je l'ai acheté pour 2500 crédits, 80 de vitesse, 80 de physique, on ne le bouge pas comme ça, 1m89, donc parfait dans le domaine aérien. Ce qui est bien encore une fois avec ce joueur, les gars, c'est 4 étoiles de mauvais pied et 4 étoiles de geste technique avec un 74 de dribble. Donc c'est vrai, on se fait un peu moins plaisir que les autres, mais bon, les 4 étoiles de geste technique, ils sont là, on peut se faire plaisir tout de même. J'espère que cette vidéo t'aura plu, donc n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager mon squad builder, ça me ferait vraiment plaisir. Donc j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Sur ce, je vous dis à la prochaine, bye tout le monde.
Merci.